Bonjour à tous, donc j'ai été choisi par Lenovo France pour tester leur dernière tablette 2 en 1, le Yogabook. Là j'attends le facteur, j'espère qu'il va m'apporter le colis aujourd'hui parce que ça fait un bail que je l'attends. Alors moi par rapport à mon boulot, je fais pas mal de présentations, en vidéo surtout, et des photos aussi. Moi je suis vidéaste et photographe, hein, donc quand je vois mes clients, bah, j'ai besoin qu'ils soient « waouh », ils disent « le matos qu'il a c'est pas mal quoi ». Bien sûr, je peux présenter l'iPad, mais bon, tout le monde a un iPad maintenant, du coup, le fait « waouh », ça s'est un peu banalisé. Alors, ce que j'attends de cette tablette, c'est effectivement beaucoup sur son design et beaucoup sur son ergonomie et sa réactivité. Bien entendu, il y a aussi l'aspect mobile. J'aimerais pouvoir retoucher mes photos et pourquoi pas faire un peu de montage dessus. Est-ce que le facteur est arrivé ? Non ! Delicious. Est-ce que le facteur est arrivé ? Non ! Chers testeurs, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein du programme Yogabook, le grand test. Comme vous, 49 autres testeurs officiels vont durant 3 mois tester la tablette et partager leurs commentaires avec leur communauté sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on commence par le déballage, prise en main du Yogabook. Voilà, la tablette, très bien emballée. Ça inspire la confiance, ça pèse son poids quand même, du moins dans le carton, du moins dans sa boîte. C'est un très beau packaging, hein, y a rien à dire, on a envie de l'ouvrir pour voir ce qu'elle a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Productivity on the go. Voilà. Waouh, c'est beau. Nous avons donc la tablette, la prise USB, micro USB. Nous avons donc le chargeur, micro USB. Alors, le bloc-notes. Une finition mate. D'accord. Donc ça, c'est le bloc-notes avec les feuilles qu'on pourra mettre sur la tablette pour dessiner ou faire des croquis. Donc je ferai une vidéo par la suite sur son utilisation. Et là, c'est le fameux stylet, le Real Pen. Ah, voilà. Voilà. C'est toujours tout noir, hein, tout est noir. C'est très bien. Tout est noir, c'est très élégant. Donc voilà le stylet qui permet de faire des croquis ou d'écrire sur la tablette. Hein. Donc je ferai une vidéo sur son utilité à part. Et là, nous avons les mines. Donc il y en a trois. Donc ces mines donc, me permettent d'écrire comme sur un... avec un vrai stylo sur les feuilles et ça se retransmet directement sur la tablette de manière numérique. Voilà, pareil, je ferai une démonstration dans une autre vidéo. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop, allez, on passe maintenant au déballage de la tablette Yogabook. La première impression quand on a cette tablette en main, c'est que ça en jette. Ça en jette parce que la fabrication est très belle. Hein. Ça paraît très solide, très premium. Au niveau couleur, ça tranche bien. Hein. Entre l'argent et le noir, ça claque. Donc ça fait une ardoise, quoi. Ça fait une ardoise bien finie, qui sent la qualité. Alors, faisons le tour de la tablette. Globalement, il y a une très bonne première impression. Alors, la seule chose que je pourrais peut-être redire par rapport à cette tablette, c'est que l'écran reflète énormément. Donc, autant à l'intérieur, dans l'obscurité, ça passe, autant en plein jour,
Je suis pas sûr que ça soit très agréable à l'usage. Mais bon, pareil, je vais vous faire un petit test dans la prochaine vidéo, tiens, quand on parlera de mobilité. Allez, à bientôt !